De nouveau ambassadeur remettre les crayons sur au bail président République la Jovenel Moïse mercredi 17 janvier 2018 là non palais national. C'est ambassadeur Jeffrey Williams pour Bahamas et puis Jeannette Omolego Olisa pour République fédérale Nigeria. Assemblée sénatoriale a amendé règlement intérieur Sénat, m'a dit 16 janvier. Quantité commission permanente a passé de 13 à 15 et puis il y a un poste vice-questeur qui a augmenté pour faciliter l'administration fonctionner puis bien. Les questeurs n'ont pas là. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural mettait bout un jeudi à atelier deux jours l'étape réalisée pour poser problème à la pêche là en dans PIA. Directeur général ministère Brendley Eugène promet pour faire suivi à recommandation qui fait dans atelier. Directeur Institut national formation professionnelle INFP Maggie Durcé prononcé le sous-problème l'école professionnelle a rencontré dans le PIA. Maggie Durcé expliqué qu'il est déjà entré en contact avec le président de la République, la Jovenel Moïse, sous dossier SILA. Et puis, pays États-Unis décidé de faire un campé sous un parti dans l'aide li habitué bay pour réfugiés palestiniens sous 125 millions de dollars. Il était supposé verser by l'ONU. C'est seulement 61 millions États-Unis décidé bay pour Kounia. Restez avec nous, amis TNH, c'est ça comme pilote sujet pour développer dans le journal pour assurer. Bonsoir tout le monde et pour Kounia, nous parlons. Avec un peu de plaisir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le bulletin météo qui est en condition. Nous allons parler de ça. Kounia, nous allons passer avec différentes images. Nous avons fait un froid qui chita sur la partie centrale Cuba pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas une situation pour aujourd'hui qui a bien concerné le pays d'Haïti. Donc, nous avons un temps qui a été plus ou moins stable sur le pays. Nous avons parlé avec l'image ça. C'est un ciel vraiment dégagé sur tout département. Yo. Mais à partir de demain soir, donc jeudi, nous avons un fond qui a chita au niveau canal du vent. C'est à ce moment là pour quelques humidités et permettre à ce que y ait la pluie qui tombait principalement sur le secteur nord pays, en tant que nord-ouest, nord et puis nord-est. Et avec quelques petits gouttes de la pluie tout qui a tomber demain au niveau sud-ouest. Mais globalement pour jeudi, son temps qui a été stable, donc n'a pas tant de changement à partir de demain, j'en moins expliqué nous. Pour après ça, avec les gens qui sont sous côté de pour jeudi, a toujours eu un temps stable avec présence quelques nuages. Pas eu trop de chance non plus pour la pluie tomber sous Port-au-Prince jeudi. Température maximale là aussi entre 30 et 33 degrés Celsius, minimale à descendre à 20. Donc j'en moins dit nous, on a prêté un temps qui stable au niveau capital là avec les gens avoisinant. La page maritime au niveau côte nord, golfe de la Gonave, côte sud pays, c'est des vagues qui pas monté plus haut que 6 pieds que nous observons aujourd'hui avec un vent plus ou moins qui soufflait dans le secteur nord-est avec une vitesse de 10-15 nœuds. Donc c'est pas un homme qui est vraiment agité, mais quand même, n'a conseil capitaine pour toujours être prudent, les va fréquenter mi-temps la mer pendant après-midi. Et pour finir la page astronomique, le soleil a couché aujourd'hui, c'est 5h33. Et la levée demain matin à 6h25 au niveau Port-au-Prince. C'est toujours un plaisir pour une petite information météo pour vous. Merci en pile pour attention. Bon après-midi. Excellente soirée. Pour qu'on y a un effort qu'on est, j'ai noté annoncé de nouveaux ambassadeurs remettre les créanciers par le président de la République, là, Jovenel Moïse, mercredi 17 janvier 2018, là, non palais national. C'est ambassadeur Jeffrey William pour Bahamas et puis Jeannette Morigo Lissa pour la République fédérale Nigeria. Ambassadeur William annoncé l'autorité Bahamienne a pas réfléchi sous possibilité pour petit haïtien qui fait sous territoire Bahamas à joindre un papier légal comme citoyen pays ça. Puis l'autre bord, ambassadeur pays Nigeria, Jeannette Omolego Olisa fait qu'on est pays pral à collaborer avec Haïti dans divers domaines. Et extrait d'un micro Sabine Jean-Étienne avec Jonaël Duvernier. Il y a plein de choses que nous allons faire ensemble qui seront que bénéfiques pour nos deux pays. Et quelles sont ces choses? L'agriculture, par exemple, parce qu'il fut un temps que 80% de nos fruits et légumes sortaient d'Haïti. Et également dans tout ce qui est la pêche et le commerce en général. Et est-ce qu'il a abordé la question migratoire avec le président haïtien? Effectivement, il y a également un traité que nous allons devoir implémenter également très bientôt. À quel sujet? L'immigration. Bon, on a remarqué qu'il y avait une sorte de
d'inégalité en fait, de traitement incorrect par rapport aux situations des Haïtiens au Bahamas. Donc en ce sens, nous cherchons à mettre en place des protocoles qui permettent un traitement plus équitable pour, et par exemple, les enfants qui naissent au Bahamas par rapport à leur statut migratoire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'implémenter. Just go out there and get registered. Sisterly love that we do have together. Nous espérons avoir une coopération très technique avec Haïti et continuer à construire cette relation de frères et sœurs que nous avons toujours eue avec Haïti. L'échange culturel également, il faut continuer à promouvoir cet échange culturel et pouvoir continuer à travailler en ce sens avec Haïti. Il y a son sénateur au amont des règlements intérieurs, Sénat, m'a dit 16 janvier 2018, là, dans une séance plénière qui déroulait non seulement quantité commission permanente au passé de 13 à 15 et puis gagne un poste service qui augmentait pour faciliter l'administration à fonctionner plus bien, les questions n'étaient pas disponibles. Sénateur Karl Murat Cantave, qui était président de la commission, qui n'a pas travaillé sur amendement règlement intérieur, montrer satisfaction pour le travail commission réalisé. Avec ça, le micro, Fédéric Confident, avec Moïse Ulbrich. Après que nous finissons ce travail-là, il y a un bureau avec l'Assemblée qui est mandaté pour nous faire un autre travail plus en profondeur, qui a adressé en pile l'autre inadéquation qui a gagné au niveau de règlements intérieurs. Et c'est ainsi que la commission Chita a décidé sur l'inadéquation qui a gagné. Et nous avons porté des touches spéciales sur eux. Et je dis, nous avons gagné près de 15 commissions au lieu de 13 commissions. Donc, il y a une commission jeunesse et sport là, qui est l'éducation qui est détachée. Et puis, donc, il y a une commission éducation qui n'est pas une commission éducation seulement, qui est une commission éducation et formation professionnelle. Et ça, nous avons ajouté encore, nous avons ajouté la commission, et l'autre commission qui est la commission défense et forces armées. Et m'a dit que on l'autre bagaille qui sont innovations que l'on fait dans le règlement, que des fois il y a une sorte de dysfonctionnement ou pour mieux dire un malfonctionnement au niveau du Sénat. Les questions la déplacer par là pour 15 jours, nous avons un vide, un vacuum qui fait que nous n'ont pas capable d'avancer administrativement. C'est ainsi que nous avons ajouté un vice-questeur, ok, qui va servir de élément de remplacement pour le que question là n'est pas présent. C'est bon, création du poste, c'est bon, création du poste. C'est bon, création du poste, c'est une nécessité que le dé. On nécessité par le fait que Sénat souffre en pile les questions à déplacer. De la même manière, mon président, mon vice-président, et donc, on a une question, enfin, on vice-question tout, de sorte que les questions là pas là pour vice-question là, qu'à faire office, n'est-ce pas, de question, pour que le cap signe tous les actes administratifs avec le président. Automatiquement, il est adopté, il rentre en application. Normalement, il faut le publier avant dans le journal officiel, le moniteur, mais il y a des précédents. Parce que l'année dernière, les ont été fait ajustement commission au niveau numérique, on était passé de 7 à 13, et automatiquement, on était appliqué. Puisque le précédent, eh bien, hier, nous avons adopté hier et même le nous adopté là, nous passons à l'application de tout amendement que nous faisons. Et sénateur Niplan, François Denis, continue à faire plaidoyer pour décentralisation en tournée. Il y a une réalité parlementaire dit c'est le seul moyen pour le pays à développer. Dans ce sens, le Parlement travaille sous loi cadre, sous décentralisation. Je vais extraire le micro, Fédéric Confident avec Moïse Ulbrich. Moi engagé moi parce que pour ou faire collectivité avancer et premier ça vous faire c'est vous bailler un cadre légal et nous on était gain loi sur collectivité commune, loi sur collectivité section communale, sur collectivité départementale et nous t'ai fait déjà passer et loi sur et département, nous la loi sur commune et que nous commencer faire voter et nous gain pour finir avec loi sur section communale, sur collectivité section communale. Une fois que nous finissons et loi ça que nous transmettons à la Chambre des députés, et nous allons engager nous pour nous faire plaidoirie bon côté commission collectivité territoriale dans la Chambre des députés pour faire loi ça passer. Mais il y a une loi surtout qui est moins à cœur que et pendant 2 ans, si les collègues font confiance en tête et commission collectivité, c'est la loi sur la fonction publique territoriale. Moi, je pense que le temps pour nous bailler collectivité à une fonction publique. Ce n'est pas normal. Pour chaque magistrat qui monte, il monte avec groupe fonctionnaire par eux. Et là, il va aller avec peut-être toute expérience, toute compétence que fonctionnaire qui était là,
yo même yo te capable gagner. Moi pense que si nous fait 4 lois ça au passé, eh ben nous a fait œuvre qui va pendant 4 ans à présider commission ça. Gouyana Foron, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural mettait bout jeudi à atelier 2 jours il t'a réalisé pour poser problème la pêche en dans pays à atelier ça qui était déroulé en présence acteur national ou international c'est coordonnateur programme la pêche Laurent Mérisier directeur général ministère agriculture docteur Brandly Eugène promet il a fait suivi recommandations en fait dans atelier en suivre. La discussion qui a commencé depuis hier et matin là gagné en synthèse accès au crédit, accès au financement. Et moi quoi dans quatre programmes là et c'est un point que nous mettons en pile importance sur lui. C'est ça que fait nous te parler hier et côté de mal mettre en place un programme de cofinancement à travers le programme là qui pas pas un système de crédit à proprement parler mais il pourrait permettre que association yo ait accès à équipement, tant pour bateau, tant pour moteur, glacière, congélateur solaire. Mais nous exiger que yo bay une contribution et de telle sorte que yo capable responsabilité yo capable bien responsabilité par rapport à gestion et matériel que yo pas recevoir yo en termes d'entretien en termes d'utilisation par toutes les associations. Atelier ça li vini non avec nos optiques pour capable renforcer la pêche parce que yon nan bagay que nous capable remarquer que et les capacités que nous gagnons nous pas pêcher à niveau ça. Ça va demander pour nous capable faire des recherches, identifier des thématiques pour discuter avec les gens qui font déjà et les gens qui peuvent accompagner nous. C'est dans l'optique ça que la banque est invité, IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement, avec IFEMER, c'est l'Institut français pour l'exploitation de la mer. Ils vont être capables d'accompagner nous pour identifier des thématiques et puis eux-mêmes ils pourront faire des recherches sur eux et puis capables de faire des recommandations comment nous capables d'accompagner et secteur pêche là en Haïti pour capable augmenter et production parce que vraiment capacité nous gagnons nous pour arriver à niveau que nous d'adouer préoccupation que nous avec recommandations que nous garantissons que nous pourrons faire suivi sur et vraiment c'est au point que vous soulevez qui est très important pour moi parce que en pile fois il y a des travaux qui fait ces problèmes suivis. Après atelier a fini là, qui ça que nous fait? Nous gagnons un coordonnateur qui est très responsable et vraiment toute collaboration ensemble avec elle très franche que me connaît que m'a parlé les très souvent me connaît que après journée aujourd'hui qui ça qu'a fait pour capable augmenter les productions en pêche accompagnement dans le secteur en général. Institut national formation professionnelle en Marie du C parler sous problème l'école professionnelle yo a rencontré dans PIA. Marie du C expliqué lui déjà rentré en contact avec le président de la République là Jovenel Moïse sous dossier ça pour comment yo ka aider l'école professionnelle yo continuer fonctionner comme ça doit. Dit Institut national formation professionnelle en fait qu'on est lui déjà rencontré différents responsables l'école ça yo et puis ouais comment yo ka qui gain longtemps dans système non, il y a un reportage Marie-Jolouyad Lord d'Henri Jean-Jacques. L'école professionnelle JB Damier, c'est une parmi l'école qui a fait face à un pile de problèmes depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010. La directrice en général de l'Institut national de la formation professionnelle, là, Maggie Diossé, dit la travaille pour porter solution à divers problèmes l'école professionnelle a connu jeudi. JB Damier lui-même, c'est un cas qui est particulier dans la mesure où niveau l'école, la représentation de l'école, dans sa liée comme patrimoine pays. Nous dit président tout penché sous car il dit que n'a pas cherché et de moyens que ce soit nationaux et internationaux en termes de financement pour nous capables reconstruire JB Damier par rapport à patrimoine que le représentait ce qui fait que il était plus difficile puisque tout le monde connaît que INFP il y a environ 2% moins que 2% de budget ministère éducation nationale et puisque ce budget a été reconduit et que nous pas vraiment un budget d'investissement valable, donc ce qui fait que l'hypoco pratique pour INFP à rentrer sous JB Damier parce que JB Damier pas gain espace local l'a écrasé par le tremblement de terre. Donc c'est des études que n'a fait même gens avec le centre de Saint-Martin qui lui-même joigne au financement de la BCD et très bientôt nous va le faire pour première pierre parce que tout processus est en cours. Donc ou gagne BCD qui joigne au financement d'environ 14
14 millions de dollars américains. Donc ça veut dire que nouvelle donne moderne que INFP, direction générale, décide avec gouvernement pour le bail des écoles de qualité. Donc c'est dans ce sens ça que nous demandons, ni apprenant JB Damier, ni directeur JB Damier, et tout le monde qui est personnel qui est dans JB Damier, pour cours pour nous capables de faire une intervention qui gagne une dimension que nous voulons. Directrice générale a expliqué la travail en tête collée avec un secteur privé pour comment nous avons une entente pour les jeunes qui finissent étudier, joindre un espace pour travailler après étudier. Nous-mêmes, en direction générale INFP, nous essayons et nous répondons. Non seulement nous suivons le processus qui était pratiquement nous t'a dit à moyen terme, parce que depuis nous gagnons date le 24 novembre que le ministre a répondu nous pour le capable de faire nomination. Yo. Donc ça veut dire que le processus est en cours et nous t'es assuré syndicat yo, que les syndicalistes, que tout dossier que vous demandez, nous guettons devant CEO, non seulement nous faisons nomination yo, et nous proposons nomination yo, avec régulation que vous demandez en termes salarial par rapport à niveau de salaire. Là. Et nous avons document à l'appui, côté que l'enchita avec vous, même document régularisation que nous-mêmes dans INFP, nous baillons ministre, c'est vous-même qui préparez l'Islam et nous-mêmes nous faisons évaluation et nous entérinons pour nous voyer le bail ministre. Là. Cela veut dire que c'est des dossiers qui sont en cours et nous estimons qu'on y est. C'est une autre phase que le formateur Sayo qui refusait à l'ensemble de prend parce que l'Ivine relevait d'une mauvaise foi et nous croyons que le syndicalisme les définit qui gens pour négociation faite, les définit qui gens processus fait et moi crois que ce qui se fait là maintenant les dépasser au cadre de négociation. Magui Diouce à exigence marché. Et pour qu'on y en a pour observer pause commerciale, on a tourné dans un petit moment. Actualité à poursuivre, merci pour fidélité et attention. Sorti mois mars 2017, arrivé janvier 2018, le ministère de la formation professionnelle a récupéré plus passé 71 millions de goudes, d'après ministre Pierre-Jésus Agénor Cadet. Selon le ministre, l'agence AO fait qu'on a dépensé dans mauvaises conditions dedans le ministère de l'Éducation nationale. Ministre Pierre-Jésus Agénor Cadet est dans le micro de Jean-Herbie Casséus avec Hervé Pierre en côté. 71 millions de goudes dans trois départements seulement, qui c'est l'Ouest, Nord et la Tibonite. 71 millions de gouttes qui tapent dep dans très mauvaises conditions. Professeur qui pas là, chèque a sauté sous lui. Professeur qui mourit, chèque a toujours sauté. Et bien c'est tout comme ça. Cependant, nous dit aujourd'hui, il y a plus de 71 millions de gouttes. Mais l'autre 7 départements, tout, nous fait que nous faisons travail ça tout. Nous avons depuis nous sommes fait, nous ne pouvons pas faire des chiffres. Parce que pour nous dire, mais tant qu'on nous fait, c'est après 3 mois. Parce que l'ENAL fait travail là, supervision, hein? On prend ça pour raison, mais pour l'autre, on doit être absent. Mais après 3 mois, il va être absent pour 3 mois. D'ailleurs, dans l'État lui-même, la loi claire sur la question, hein? Bon nombre de jours, ou pas qu'à faire qu'on pas présent. De vous faire un nombre de jours sont pas présent, ou considérer comme monde qui parle là. Nous avons rédigé des milliers de lettres de nomination pour enseignants, et nous avons continué à faire ça. Cependant, nous parlons de gros rencontres jeudi avec tout directeur départemental. Quand nous parlons faire au point des engagements clairs, nous parlons mener une enquête dans tout le lycée. Si on dit que le départemental complice de un cas de sous-traitance, les complices d'un cas de nomination qui mal fait, par exemple, dans le dossier de ma traite, là, nous jouons des cas et grand pile sanctions qui t'en prend. Des cas côté, nous entendons l'État pour le nommer, et bien, commence à mettre petits amis, petits bouts, petits familles, en dans l'islam pour dire qu'elle l'a dans pour nommer. Et bien, nous-mêmes, nous sommes très vigilants sur ça. C'est un directeur départemental qui lui-même t'a complice, l'a prévoqué automatiquement. Et directeur départemental, tout pour joindre le directeur de l'école nationale, directeur lycée pour avoir un message là. Si on moun, ou dit moun ça dans la classe, nous joignons, lui pas dans la classe, tout bon vrai, eh bien, ça c'est corruption au dernier degré et la besoin tout en sanction à la dernière mesure.
Réunion nationale normalement haïtien une autre mandé mardi 16 janvier à autorité concernée prend mesi pour bail traitement qui nécessaire à secteur éducation. En professeur Josué Mérilien expliqué il a continué mandé 35% dans budget pour créer plus d'écoles avec la faculté dans pays. En même temps Josué Mérilien souhaité responsable payer tout à salaire sans que 5 hommes nous met tout pour cette qualité qu'a travail qui pour pas je l'ai nous met entre étudier l'école supérieure et l'école magistrale, qui a ses fêtes et résoudre tout problème qui est en dedans et Fakabio, qui dans la rue depuis quelques temps. C'est pour bailler enseignants un salaire de base de 75 000 gouttes, qui s'avantage social, donc pour crédit, pour 4 débits, les affaires pour plusieurs employés de l'État, pour les policiers et la prière. Voter à pas appliquer, prix salarial là. Qui permettent que vous soyez touché, traité selon qualification, selon le niveau d'études, selon quel expérience. C'est pas normal pour un enseignant qui gagne un an, qui a un salaire considéré qui est 40 ans d'enseignement. C'est injuste. 35% du budget pour être des moyens pour mettre l'autre université de l'État dans tout le pays, mettre l'école publique dans tout le pays, former enseignants, mettre capable de garder l'école pour que les élèves soient capables de manger correctement. Et syndicat personnel ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle rappelée mercredi 17 janvier à ministre de l'Éducation nationale à quelques autorités qui n'ont l'état promesse, yoté fait yo, n'a yon chita palé, yoté gagné, nan jou qui passe yo, responsable yo, profité dénoncer harcèlement sexuel. Il dit qui fait général adjoint Spéré Flan, de son Saint-Martin, invité l'État haïtien pour renouveler tout contrat employé contractuel en suivant. Et je vous dis, quand nous connaissons le problème qui vient dans l'État, donc nous voyons que ce sont des choses qui sont tout à fait favorables pour le ministère de l'Éducation nationale, nous-mêmes qui l'avons formé, pour nous travailler dans des conditions comme ça. Parfois, même courant, pas gagné dans un site. Donc, nous estimons que c'est des problèmes que le ministère doit penser pour essayer pour l'exercice fiscal. Nouveau exercice fiscal. Et puis l'autre bagarre n'a pas intervenu sur lui, c'est par rapport à l'entente que nous avons gagné comme syndicat avec le président de la République là. Côté que après que nous déposons ces deux problèmes avec les ministères confrontés, le président ben, nous garantit que dans une quinzaine de jours, la planification va être avec nous pour capable non seulement poser des problèmes, mais où est l'élément de réponse, qui est l'élément de solution qui est capable de porter à problème ça. Mais nous constatons que deux mois après, pas gagné qu'une rencontre faite. Et nous t'ai expliqué, président de la République, déjà que si vous ne le dites là, il y a une série de. C'est lui-même qui demande non suicide pour ne pas chita, parce que l'employeur est disposé quand il travaille par rapport à nous, dans nos conditions de travail, mais les conditions de vie autour. Donc, comme le président de la République a garanti que la bien pour chita parler avec nous, et pour ton réponse à genre de problème que nous avons posé, poser corruption et népotisme qui a fait en dans l'administration publique dans le ministère de l'Éducation nationale. Et nous remarquons que le ministère lui-même l'a choisi pour lui honorer et une série de monde qui gagne et de passer douter dans la place dans une série de postes ou bien la promotion en dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous remarquons tout gagne de casser fait pour ouvrir ça qu'a fait par rapport à des monde qui ont suspicion sur faux papiers à utiliser en dans le ministère. Et nous avons tout profité pour nous dénoncer une série d'employés qui ont misé pour rançonner en particulier les ovines derrière une série de services en dans le ministère qui n'ont pas payé. Et bien, ils ont misé pour prendre un gros corps dans les mains particuliers. Nous pensons que c'est un bagage qui pour dénoncer et nous avons demandé particuliers pour porter plainte, laisse arriver. Nous avons dénoncé harcèlement sexuel qui a fait à deux niveaux. Et notre premier niveau, c'est sous. Employés dans l'administration, même par supérieur hiérarchique, ils ont même promettre des avantages pour être capable de sortir ensemble avec eux. Mais dans l'autre niveau, tout c'est par rapport à un particulier qui vient solliciter service en dans le ministère et que employé en misère pour abuser les qui ont pas connaît qui ça pour faire pour rejoindre tel ou tel service. Et secrétaire d'État pour l'alphabétisation, Émile Boutus, qui était gagné à Cli. Évêque Fort Liberté à Monseigneur Kisnel Alphonse et puis directeur prison Fort Liberté 1, inspecteur divisionnaire Joseph. Projet sa rentrée dans le cadre et stratégie gouvernement dans le domaine alphabétisation qui visait montrer 127 mounes qui fermaient en prison, li about dans le mois juin 2018. Dans ce sens, secrétaire d'État pour l'alphabétisation
Emile Abouti, ça fait qu'on est éducation à formation, c'est une d'un plus gros bien, un monde qui a gagné. C'est dans l'optique ça, il a lancé combien de ça, puis a écrit. Directeur prison Fort Liberté, hein, Joseph Daniel Bastien, sous bon pas salué. J'ai fort gouvernement à faire avec un nouveau projet ça. Pour apprendre tout prisonnier au lit avec écrit. D'après ça, il fait connaître, c'est une quinzaine prisonniers dans niveau puis avancé qui pourra la servir comme moniteur et superviseur dans la classe qu'a fait dans la prison. Un extrait dans déclaration inspecteur divisionnaire Joseph Daniel Bastien, dans le micro d'Aline Dorival. Bien, c'est lancement l'école alphabétisation dans prison Sahara. Et c'est la première prison correctionnelle dans le pays. Et je dis à nous joindre la première pierre là. C'est ici les fêtes. Je dis à nous qui ouverture ça, qui fait là. C'est pour nous. Pour faire nous reconnaître, nous c'est moun. Il y a moun qui a pensé pour nous. Et c'est si nous là, moun qui entre dans la prison qui n'a pas connu. Et demain, si Dieu veut, tout le monde a sorti ce qu'on dit. L'autre sujet dans le journal, plusieurs magistrats déjà chita ensemble d'après magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, dans l'idée pour contrer carré problème fatra dans la zone métropolitaine. Dans ce sens, magistrat collaborer avec l'autorité, une manière pour y arriver éliminer fatra tout bon. Dans zone ça yo n'a invité au suivi un reportage. Aujourd'hui en plein 21e siècle avec tout progrès que droit de l'homme a fait, toute réclamation qu'a fait pour capable respecter dignité tout le monde, dignité tout pays etc. Pas de penser que un responsable politique, n'est-ce pas, non pays tant pour les États-Unis, un grand pays tant pour les États-Unis, ta capable n'est-ce pas abaisser lui a tenu des propos aussi injurieux, n'est-ce pas, par rapport à plusieurs pays, à tout un continent, n'est-ce pas. Et pas de penser, il t'a privé là. Nous, tous nous connaissons que ce soit un monde qui dit salvelé, sale plutôt, etc. Même de penser, il t'a pas le gain quand même, il y a un minimum de retenue pour ne pas dire en parole comme ça. Je crois que aujourd'hui, il atteint vraiment un niveau, n'est-ce pas, qui est vraiment très bas. Est-ce que pour répondre à peut-être que ça, l'establishment l'a passé. Et ou t'as qu'à dire Donald Trump dit tout haut, ça va pile là, ou t'as qu'à dire tout bas, je dis. Hein? Bon, je crois que le peuple américain est divisé, n'est-ce pas, sur la question, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça qui est intéressant, hein, ça qui est fait là, parce que c'est pour une déclaration que Donald Trump l'y fait de façon publique, n'est-ce pas? C'est pas devant télévision, devant une radio, devant micro, n'est-ce pas, ou en caméra que l'y dit ça. C'est pas devant, n'est-ce pas, l'Assemblée, n'est-ce pas, des Nations Unies, que l'idiot parole comme ça, son pareil que le fait, n'est-ce pas, une déclaration que le fait, de la parole avec des congressmen américains. Mais ça qui est intéressant, c'est que, où joignent des congressmen qui, véhiculaient, n'est-ce pas, qui transmettent l'information, et qui, même, malgré démenti que président Trump, baille, n'est-ce pas, qui affirme. Et que, quelque part, le fait que, dénoncer ça, n'est-ce pas, ça veut dire que ils ont condamné le tout, n'est-ce pas, puisqu'ils ont rendu public, ils connaissent certainement que ça pourrait provoquer des réactions dans le monde et des réactions dans les pays qui sont rendu public, et je crois que ça a montré que quand pile monde dans l'establishment là, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, n'est-ce pas, qui pas d'accord avec attitude, n'est-ce pas, irrévérencieuse, scandaleuse que le président américain gagne par rapport à pays sahel. Maintenant, nous connaissons tous que gagnent ils ont parti dans la population américaine là, qui est dans l'extrême droite, n'est-ce pas, qui a lutté contre l'immigration dans le pays, partagé opinion président Trump, parce que s'il te connaît que pas de un seul américain qui était capable de soutenir lui, il certainement pas t'a dit ça. Voilà, on t'a suivi la déclaration professeur René Desroches qui dit les regretter déclaration président américain Donald Trump t'a fait concernant pays africain à l'autre pays tankou Haïti. Et puis Jean Noté Djouli, plusieurs magistrats déjà chita ensemble d'après magistrat Pétionville Dominique Saint-Roch dans l'idée pour contrer carré problème fatra dans zone métropolitaine yo nan sans ça magistrat Pétionville a souhaité population collaborer avec autorité yo une manière
pour arriver à éliminer Fatra tout bon vrai dans la zone de Saïon suivre. En de tout petit coin dans la zone métropolitaine, la question Fatra tourne pour flé. Dans le marché, sous place publique, en d'un quartier, c'est même constat. Mon marché monte et descend, marchand toute qualité à vendre, mon a acheté et même parfois manger côté Fatra taille banda. Yon réalité qui pas dépamant comme une Pétionville. Pour contrer carré phénomène Malouxa, plusieurs magistrats déjà chita ensemble et puis prennent une résolution. Dominique Saint-Roch, c'est magistrat Pétionville. Ensemble des magistrats zone métropolitaine, yo, nous réunis ensemble et nous dit que pas aucune fierté dans mon noir dirigeant en ville et que ville n'en pas propre. Premier bagage qui vous fait fierté, c'est état de propriété ville. Et nous songez, Jean Saté, c'est Bribali qui toujours les vaut dans dormi. Parce que premier bagage citoyen haïtien toujours fait, c'est balé la Kali et puis tout la rose et l'écoute qui en terre battue pour permettre que ville n'en pas propre. Nous-mêmes, ces derniers temps, yo rive jusqu'à traiter de magistrat sangouin, donc c'est pas que nous-mêmes nous pas qu'on tâche pour capable aboutir afin qu'il se nettoie vidéo. Donc ça a devenu fait que ensemble de magistrats zone métropolitaine nous chita et nous décréter question Fatra problème numéro 1 pour année 2018 non et depuis là on a concentré sur lui. Ensemble magistrat Sayo rencontré lundi qui était 15 janvier à dans palais national avec président République là Jovenel Moïse. Magistrat yo na occasion plaidé pour yon police communale yon manière pour permettre série travail mairie yo fait avec plus efficacité. Question pour mon al fait yo nan moun kalik qui a effectivement gen de problèmes comme ça gon vidéo la k ap sikile ou que c'est même bidon de l'eau yo que moun yo reprend yo chauffer bay plastique yo donc ou elle fermé pourtant c'est bon de l'eau traité réellement quoi. Là encore une fois et il nous faut l'autorité de l'État. Et c'est pas seulement pour question ramasser Fatra, mais tout ça capable de suivre là, pour que l'État le monte le plus présent par rapport à elle. Et ça fait dans hier, dans la discussion que nous avons gagné avec le président, et faut que nous allions vers un policom, une police communale, qui parle magistrat, même Jean et police nationale, là, fait formation pour venir avec Eddie Paul, Politou, pour que vienne avec un bail comme ça, pour permettre que au moins policiers les connaissent, les sensibiliser par ça, que ça rentre dans quatre missions. Parce que nous plaignons en pile de ça, on vient avec un pick-up, la déverse et bala dans tout égout, la police campée là, ni tout ça pas mission, ni ça pas travail. Pas. Donc nous pensons que c'est une prise de conscience citoyenne qui pourra permettre que nous résoudre le problème là, en un mot pour le problème là. Ton ville a bien pu recevoir, pas trop longtemps, des camions compressifs. Ça qui pourra le permettre, d'après magistrat, ensemble travail qu'a bien pour faire yo démarrer plus rapide. Magistrat, plus loin souhaité, citoyens qui vivent dans la commune, collaborer avec Méria pour faciliter le travail. Le sujet dans le journal emploi soit à 3 à 4 février qui a venu là, c'est date ça yo Mairie d'Elma Kembe pour organiser deuxième édition Carnavali. Responsable culturel de Méria, Jean-Denis Baudet. Il fait qu'on est avec 6 chars allégoriques avec 5 groupes musicaux qui ont pu performer dans le parcours carnaval là, qui ont sorti 3, même prolongé route aéroport pour Albout sous piste aviation. Delma en avant, c'est sous thème ça, carnaval là déroulé pendant 2 jours. Il y a un extrait avec Anne-Marguerite Vilsac, Junior Aville. Route de l'aéroport, c'est là que les festivités ont été faites du 3 et 4 février 2018. Carnaval ça, il y a pour thème Delma en avant. Delma en avant, en ce sens que nous avons discuté pour nous montrer vraiment la réalisation que Delma fait déjà par rapport à l'idée, à la vision magistrat, comme le logo ça a montré nous. Pendant que tout le monde a pris plaisir, nous avons pris plaisir, c'est un bagage traditionnel qui est la caille nous. Nous avons l'ambi qui a sonné, qui a dit nous pas carité derrière, en avant, Delma en avant. C'est sous thème ça, tout le carnaval ça va dérouler. En ce sens, nous avons sorti depuis l'origine pour nous montrer toute réalisation que Delma a gagné pour le faire dans le futur. Côté, nous avons 3 chats allégoriques qui vont représenter vraiment le carnaval ça. Un chat
qui a présenté Delma à tout projet que la gagne pour réaliser. Il y a un chat qui a côté que nous montré les progrès et les réalisations déjà que nous fait dans la commune ZAR. Et l'autre chat, lui-même, c'est qu'il a basé sur le thème en avant. Côté que nous va montrer toute réalisation qui va gagner pour faire, qui, toute motivation qui va gagner dans la commune, côté que pour tout le monde peut aimer, si vous réalisez que le travail l'a fait bien, ça qui fait le travail l'a fait bien, c'est parce que tout le monde considère que pour remplir de voir ces moyens, c'est payer taxes, parce que c'est avec taxes. Sinon, on a dit que Delma est une ville commune, c'est parce que les habitants d'Elma ont décidé de payer taxes pour que eux-mêmes soient sortis de l'embusquerie. Donc, si on paye taxes, nous connaissons que Delma a toujours avancé, a toujours allé de l'avant. On a bien, dans samedi 3, c'est carnaval qu'il a fait avec Timoun dans la zone. En première partie, qui commence à 3h pour finir à 6h. Côté que tout le monde dans l'école communale, nous connaissons que c'est sous direction à la mairie de Delma Curie. Tout le monde qui était dans la commune, tout le monde de l'école communale, tout le monde, c'est pour le carnaval de 3h à 6h que la vie. Nous avons des bandes spécialisées dans l'animation de tout le monde que vous avez avec nous. Nous avons des personnages de dessin animés. Nous avons des personnages de contenu au Capla, les bouquins, les timaristes et autres. Nous avons des gens capables de présenter hommage à Papa Pierre, tout le monde. Nous avons dit chaque nous avons des blagues qui étaient dans la mémoire grave de Timounio. Nous avons présenté tout le monde sur Nova Pouza. Et puis nous avons des bandes à pied de Delma qui ont animé l'animation pour clôturer. Et puis le dimanche, nous avons tout le carnaval dans son contenu. Nous avons des bandes déguisées, des danses, et puis tout le groupe bandes à pied de Delma, des chars allégoriques. Il y a presque tout le carnaval dans son contenu dans le dimanche avec des bandes qui ont des chars sonorisés, avec des groupes musicaux tels que Wafam, Bois des Îles, Groupement Expérience, Bel Plaisir, Kai. Donc c'est groupe ça qui a gagné. Et magistrat Delma, ils sont jeudi déclaré carnaval là pour free secteur affaires Delma, permettre plus de monde connaît qualité produit. Ils ont gagné la caillou, lui expliquer carnaval là a commencé bon midi. Pour bout à minuit, premier jour c'est pour Timoun dans la commune et puis deuxième jour pral défilé groupe musical yo. Président chambre député a exprimé volonté pour les marcher main en main avec un magistrat pour faire Delma avancer. Le expert micro Anne-Marie Togusac Junior Aville. Pas le faux spectacle au moins pour le plaisir avec la police. Avec tout ce qu'on a gagné, à bien char, à bien groupe, à bien bel défilé, à bien sécurité, nous juste demander Moun Delma, Pan Delma, groupe Delma, c'est-à-dire son carnaval qui fait seulement avec groupe Delma, Pan Delma. C'est-à-dire, nous n'avons pas de l'autre côté que nous allons de l'autre groupe, c'est-à-dire Delma, son côté qui est riche. Et quand il s'agit d'artistes, Delma n'a pas manqué. Et pour que, au moment pour jamais, la presse toujours accompagne nous. Et nous demandons la presse pour rester à côté de nous parce que nous gagnons tout secteur privé à Capla avec nous. Tout soir, vous êtes Delma, tout là, tout invité. Et vous supposez, je vous samedi, à faire un bonheur pour vous venir fêter. Et pour vous-même, tout pour venir fêter avec nous. Parce que vous avez pile jour, un pile temps devant vous, toujours dans le magasin, vous toujours dans le business. Son jour pour vous venir fêter Delma avec nous. Pour vous prendre plaisir, pour oublier tout problème qui était gagné avant vous, au moins pour. On veut notre petit moment de distraction. Nous avons un devoir de résultat. Et ça fait moi-même qu'à dire, peut-être même avec nous sommes nos bons passés, va avoir côté de rencontrer, peut-être tout jeune. Je dis à chance pour nous. Ouais, c'est nous-mêmes qui avons dirigé l'espace. Donc on a fait tout ça nous connaît pour nous quitter en Delma, côté qui a plus d'opportunités pour les jeunes. Donc pas un carnaval là seulement un espace de défoulement, mais son espace qui va permettre que le secteur privé a participé en masse. Pour des, comme c'est Mdadou, des gens qui font sculpture, des gens qui font décoration, et des gens qui dansent et tout, des gens qui font, comme c'est Mdadou, des vêtements pour habiller chat, etc. Donc tout le monde sait ce travail qu'a créé dans la commune d'Elma.
Donc, on pense que pour les détails techniques du carnaval, il y a d'autres gens dans la communauté à Carpentry, mais par exemple, l'autre bagarre encore une carte du monde, que Vini Delma, deuxième édition, ça, c'est le début d'une très grande aventure, pourquoi pas. Et l'année prochaine, le carnaval Delma a pris un puissant pleur toujours, qui pas même camarade carnaval national, là, qu'on a Delma le président, Delma le magistrat. Donc, nous pensons que nous allons mettre ensemble pour nous faire un bel carnaval, pour nous faire un gros carnaval, pour notre circonscription au Cap-Gardé. Donc, il faut prendre un exemple d'unité ça pour avancer dans l'effort de construction nationale. Et puis, on a fait un petit coup de pied qu'on y a dans le pays de l'autre bord, pour nous faire connaître dans le cadre d'un dossier lettre contaminée dans le pays de la France. Environ 70 enquêteurs, gendarmerie française fait plusieurs perquisitions mercredi 17 janvier à l'enseigne sociale Lactalis, yon industrie agroalimentaire français. D'après un dernier bilan, il y a 37 timounes qui sont infectés. La justice française reproche Lactalis propre temps l'y prend pour le réagir après l'étection salmonelle dans l'usine Crown depuis mois août et novembre. Malgré le scandale contaminé, quelques marchés ont continué à vendre produits Lactalis pendant plusieurs semaines. Donald Trump n'a pas aucun problème mental. Au contraire, chef d'État américain en bonne santé physique et mentale. C'est le résultat dernier bilan santé président sous supervision médecin Maison Blanche, Ronnie Jackson. En suivant. Médecin Maison Blanche, Ronnie Jackson, révélé résultat dernier check-up présidentiel là, mardi 16 décembre 2018. Là. D'après résultat, le président Trump 71 l'année en bonne santé physique et mentale. Le président toujours qu'un état d'esprit positif. Très riche, en forme pour exercer fonction jusqu'à ce que le mandat lui vienne en bout et même lui vienne en bout pour un deuxième mandat s'il t'arrive. Cependant, d'après Ronnie Jackson, Donald Trump doit essayer de perdre en grâce à un bon exercice et puis un plus bon régime. Ronnie Jackson précise que c'est le président lui-même qui demande un examen général sur l'état santé dans l'idée pour freiner une cap psychilée sous comportement. Donald Trump a déjà fait 30 sur 30 dans un test mental Montréal dans l'année 90 qui était fait pour détecter quelques troubles légers et quelques signes maladie Alzheimer. Pays États-Unis décide de faire un campé mercredi 17 janvier sur un patinant aide li habitué bail pour réfugiés palestiniens sous 125 millions de dollars était supposé verser par l'ONU pour réfugiés palestiniens. C'est seulement 60 millions États-Unis décide pour aider réfugiés palestiniens. Mais États-Unis décide de bail seulement moitié dans le fond ça. D'après annonce département État américain en fait. Les États-Unis en tant que plus gros donateur pour agence là exprimé volonté pour les questions fonctionnement et financement la bailonie. Nous n'abandonnons pas les pourparlers de paix. Nous n'abandonnons pas les discussions, a déclaré la porte-parole du département d'État américain. Rex Tillerson a pris cette décision en consultation avec d'autres membres de l'administration. Bon côté palestinien, pas de aucun doute sur ça. Parce que annonce ça, c'est suite logique, décision Washington te prend, un mois avant pour reconnaître Jérusalem, capitale Israël. Trump a annoncé que Jérusalem était la capitale de l'occupation israélienne. Mais il n'a pas le droit de le faire. C'est un geste contraire au droit national. L'autre problème, c'est qu'il veut réduire les aides à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et exercer plus de pression pour supprimer le droit au retour des réfugiés. Dans le mois de décembre passé, le président américain Donald Trump a annoncé déjà l'y parer pour couper l'aide financière. Si toutefois, les Nations Unies ont refusé de discuter avec Washington. Voilà, les amis, on a chassé la nabouta journal pour jeudi avant nous aller. On a frappé au pibou point. De nouveau ambassadeur remettre les créanciers au bail à président République là, Jovenel Moïse, mercredi 17 janvier 2018 là, dans Palais National. C'est ambassadeur Jeffrey Williams pour Bahamas et puis Jeannette Omolego Lissa pour République fédérale Nigeria. Assemblée sénatoriale au moment des règlements intérieurs Sénat, mardi 16 janvier, à quantité commission permanente. Un poste vice-questeur qui est augmenté pour faciliter l'administration à fonctionner plus bien les questeurs pas disponibles. Ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural mettait bout aujourd'hui à atelier deux jours l'étape réalisée pour poser des problèmes la pêche dans le pays. Directeur général ministère Bonne Eugène promet pour faire suivi à recommandations qui fait dans l'atelier. Directeur Institut National, formation professionnelle, Magui Durcé, prononcé sous problème l'école professionnelle a rencontré dans le pays
Marguy Djersi expliqué, il est déjà rentré en contact avec le président République, la Jovenel Moïse, sous dossier SILA. Et puis, pays États-Unis décide de faire une campagne sur une partie dans l'aide habituée pour réfugiés palestiniens. Sous 125 millions de dollars étaient supposés verser par l'ONU, c'est seulement 60 millions États-Unis décide de pour Kounia. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour jeudi mercredi. Alors, c'est passé une très bonne soirée. À bientôt.